Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et on se retrouve pour la vidéo test de Tom Clancy's The Division sur PlayStation 4. Agréable note de 91,12 sur 100 sur Game Rankings, édité par Massive Entertainment, développé par Ubisoft et sorti officiel le 8 mars 2016. Peggy nous déconseille le jeu au moins de 18 ans et c'est enfin le jeu que l'on attendait comme le Messie depuis l'E3 2013, annoncé avant que la dernière console de Sony ne sorte. C'est entre autres le jeu pour lequel j'ai voulu m'acheter la PlayStation 4 et franchement je ne regrette pas, mais beaucoup de questions se posent. Selon moi, on est face à un nouveau jeu, vraiment un nouveau type de jeu, un style comme j'ai l'habitude de dire hybride, quand je ne trouve pas vraiment de ressemblance avec des jeux, enfin avec un jeu en particulier, je trouve que c'est un mix de plusieurs styles. On appelle ce jeu, The Division, un MMO RPG Open World. Donc du coup, ça regroupe plusieurs choses. L'open world que l'on connaît par exemple dans les jeux MMO tels que, je sais pas, tels que les Warcraft et j'en passe. Le côté RPG, où est-ce que quand on tire sur l'ennemi, on voit la vie descendre, on l'a connu notamment dans un jeu, pour citer un connu récent, Destiny par exemple. Et du coup, vraiment, c'est un mix de tout ça. Il n'y avait aucun jeu qui avait vraiment cet aspect-là en TPS. Donc pour ma part, je trouve que c'est un nouveau jeu, un hybride. Peut-être que c'est le début de ce que l'on pourrait appeler un Division-like. Beaucoup de jeux pourraient peut-être s'inspirer de ce jeu pour en sortir sur ce style. On verra avec le temps, en tout cas Ubisoft tient quelque chose et il nous le prouve. Comment vous dire? C'est un jeu qui a été attendu par tous, apprécié par beaucoup de gens, déçu pour d'autres. Point positif, la difficulté. Enfin, on a un jeu osé. Vraiment. Puis justement, ce nouveau style de jeu dont je vous dis que c'est un hybride, donc c'est vraiment sympa, ça ne peut annoncer que du bon pour la suite du monde vidéoludique. Les points négatifs, quelques clippings de texture, vous me direz, bon, c'est un problème récurrent pour tous les jeux avec une vasticité de map assez conséquente. Je vous rappelle que nous sommes situés à Manhattan et que pour l'instant le jeu nous offre eh bien toute cette carte. Et sachez que pour aller du point principal à ne serait-ce que la première entrée de la Dark Zone, il vous faut allez, 3 bonnes minutes chrono en main quand même pour parcourir ne serait-ce que, ben, que 600 mètres, quoi. Donc c'est pour vous dire, en représentant une échelle plus que convenable. Néanmoins, point négatif, la coop. Si vous avez un level supérieur à votre ami, que votre ami et que vous voudriez venir l'aider dans sa session, les ennemis prendront le niveau du joueur le plus fort. C'est un point négatif qui, si vous voulez aider genre un allié qui est level 1, qui veut juste jouer avec vous, qui n'a pas envie de vouloir faire le solo tout seul, et que vous, par exemple, comme dans mon cas, je suis comme vous le voyez en haut niveau 30, eh bien vous allez avoir un gros souci parce que les ennemis vont monter jusqu'au niveau 25. Voilà, vous pouvez faire monter les ennemis jusqu'au niveau 25. Au-delà, c'est parce que votre allié sera aussi du même level que vous. Mais d'avoir des ennemis niveau 25 quand on est level 1, croyez-moi, ben c'est tout simplement impossible. À savoir que ce jeu, The Division, est le jeu maintenant le plus vendu de la licence, plus que les Assassin's Creed, qui étaient à la base le petit bébé d'Ubisoft. Donc vraiment, on va voir sur quoi le jeu va pouvoir se porter dans l'au-delà, enfin au plus tard. Pour l'instant, des DLC ont été annoncés, si vous avez bien sûr pris le Season Pass, qui pique un peu vu son prix, néanmoins qui sera apparemment grandement rentabilisé. Une arrivée dans le mois de mars d'un raid pour 8 joueurs et des prochaines missions où est-ce que, pourquoi pas, des véhicules pourraient apparaître, car, petite info, on a appris récemment que l'un des méchants que nous devrons affronter prochainement dans un DLC sera aux commandes d'un char militaire. Donc s'il dirige un véhicule, pourquoi pas nous? C'est la question qui se pose. Je ne vais pas faire une vidéo sur le mode PVE parce que je l'ai déjà fait lors de la bêta. Si vous voulez voir de quoi il en retourne, je vous mets le lien directement en dessous de la vidéo. Vous n'aurez qu'à cliquer pour voir ce que la bêta nous a proposé. Là, du coup,
pourquoi ne pas parler donc de ce qui reste, bien sûr, la Dark Zone, le côté PVP du jeu. 6 Dark Zones qui nous sont proposées avec chacune une tranche de level d'ennemis conséquent. Et à savoir que si vous êtes un joueur, par exemple, entre niveau 1 et 14, vous serez affilié qu'avec des joueurs qui seront niveau 1 à 14. Je parle du level normal du jeu, pas du level Dark Zone. Niveau 30 en mode PVE, niveau 50 en mode Dark Zone. Le niveau Dark Zone n'influe pas en aucun cas sur votre puissance. C'est juste que vous aurez plus joué, c'est tout. C'est vraiment votre niveau jaune qui importe et non le niveau violet. Voilà. Pour faire plus simple, voilà, le jeu se passe dans un monde pseudo-post-apocalyptique, un Manhattan un peu chamboulé, parce que ben voilà, un groupe terroriste a foutu un virus dans un billet. Donc on appelle ça la grippe du dollar, cet événement. Et lors du Black Friday, eh bien voilà, ce fameux billet s'est échangé entre toutes les mains de tous les habitants et ils sont tombés gravement malades. Et la Dark Zone, en fait, à la base, c'est un endroit où les malades ont été entreposés en trop grand nombre et malheureusement, ça n'a pas suffi d'avoir une zone aussi conséquente. Du coup, les soldats du SHD, Security Homeland Division, dont vous faites partie, ont été activés pour eh bien, combattre le taux de criminalité qui augmente sans cesse depuis cette perte d'humanité dans l'East Coast des États-Unis. On ne va pas parler plus longtemps. Je vous ai promis de l'ADZ. Je suis en compagnie de Rom642 et de eSprite que je remercie d'avance pour m'accompagner dans cette DZ. Je vous retrouve donc de suite pour vous montrer le mode PVP. Si vous voulez voir le PVE, je vous le répète encore une fois, le lien se trouve en dessous de la vidéo. Bon visionnage à tous, portez-vous bien et à ciao tout le monde. Test du micro s'il te plaît. Roms, fais-moi un test du micro. Alors. Imagine un peu une Tu sais, t'as les mecs normaux qui feraient un 2, test, test, un 2, et l'autre. Sinon, il y a le test pour voir si ça calibre bien et tout. Mais est-ce que tu vas entendre ça? Quelle horreur. Isprite, tu nous fais un test micro? Je comprends rien, t'sais. Quoi? J'ai pas compris, ça veut dire quoi ça? Ça va finir dans un bêtisier, ça, par contre, tout ce que j'ai enregistré en post-prod. Vas-y, c'est bon. On a marre, on me traite de bêtisier. J'en ai marre qu'on me traite de bêtisier. Tout façon, toi, chaque fois que t'es dans une vidéo avec moi, tu peux être que dans les bêtisiers. Enfin, ta gueule. Pour qui tu te prends là? Tu te prends pour Francis Lasagne? Mais merde. Mais non. Ouais. Non. Allez, tête. Ouais. Pas les couilles. Je vais pleurer. Sinon, il y a de la lasagne? Pour chaque blague de merde que tu fais, Roms, il y a un chaton qui décède sur Terre. Il y a des points bleus. Tu vas acheter un truc, un chaton au moins. Yes. Je t'attends là si tu changes d'avis. Un petit palari, mais le riz. Le mec fait des génocides de chats en racontant des blagues. Il va recommencer avec moi, son les Chinois, riz. Ils seront contents. Putain d'as. Le mec nous fait des exercices d'aérophagie. Hein? Non, mais sérieusement, il n'y a pas d'ennemis là? Non. Non. C'est bien la veine. On recherche des ennemis pour avoir un petit peu de contenu et on ne trouve rien. Ils sont là. Ah bon? Oui, ils ont apparu ici maintenant. Ah oui, autant pour moi. Bonjour messieurs. Ils ont repop pour l'occasion. Ils savaient, ils se sont dit, oh là là, il y a X-Rouge qui fait un vidéo test, on repop. Mais et l'autre il est en train de se purger depuis tout à l'heure, c'est incroyable. C'est horrible. J'ai pas vomi. Roms, tu es avec nous? Nous avons besoin de toi pour un backup. Bonjour. Non, un backup. Au revoir. Au revoir, moi aussi j'ai pas compris. Tu me fais rater mon headshot en plus. T'es mais... Oh, vous le...
verrez dans la vidéo, les gars, j'ai essayé d'enchaîner deux headshots sur un gars jaune. Il est parti sans même me regarder. Il est parti en marche normale, sans courir, genre, oh, il s'est pas visé, lui. Bah non, je prends même pas la tête, on tire, bah c'est bon. Grosse victime, dégage. Ah, écoute. Arrête-toi une minute. Aïe. Oh. Tu prends des dégâts. Caution, man. Caution. Grenade! Le mec il s'y croit trop. Adrien, grenade! Pourquoi Adrien? Tu connais pas Adrien? Non, je connais Adrien. Tu connais un Adrien? Maman? Je peux mettre une jupe? Non. Je peux me maquiller? Non. Mais allez, maman, j'ai 18 ans! Je sais, Adrien, je sais. Je le connais bien, lui, c'est mon ami. Un jour, on a dormi ensemble et. C'est gay! Enfin, voilà quoi. Oh, c'est so gay! Mais c'est qui déjà ce gars là qui le fait dans cette vidéo là? Il joue dans quel film? Il joue dans Very Bad Trip. C'est le chinois là. Oh putain, je sais plus comment il s'appelle. Monsieur Chong. Voilà, Monsieur Chong. En même temps, il est chinois, donc c'est soit Chong, soit Ching. Oh là là. Merde. Quel préjugé. Oh, je te fais pas exploser. Des agents neutres. Bonjour les amis. On a fait devenir un négat, les gars. Ouais, je m'en bats les couilles. Ouais. Non, vous allez les attaquer sérieusement? Non, mais j'ai. Ça sert à rien, ils nous ont rien fait, ils ont même pas de baguette derrière. J'ai confondu avec un ennemi en fait. Ouais, c'est ça. J'ai commencé à le tirer dessus. Ouais, dégage. Eh, de toute façon, toi là, tu pues de la bouche. C'est pour ça que t'as un masque. Bon, vire-le, on le tue. Oh, il a un pompe dans les mains, fais gaffe. Non, on passe renégat, vous voulez passer renégat maintenant? Non. Mais ils ont rien. J'ai trop de level moi. Je tiens pas de suite, ouais. À la fin. Autant on pourrait tuer du renégat, mais de là à le devenir, honnêtement, on perdrait trop. Bah, de toute façon, ils ont peur. Le mec, il trouve des excuses. De toute façon, ils ont peur. Ouais, attends, je leur tire. Je les tire dessus, on se casse. Bon, pour le peu de loot qu'on a, est-ce que. Alors, voyons. Bon, c'est pas. Merde, mais je l'ai mis en hémorragie. On part en DZ3, histoire d'aller voir, du coup. Oh, si jette sa tourelle. Est-ce qu'on le tente? On leur tire dessus? Ah bah si oui, s'il a jeté la tourelle, autant les faire devenir renégat, oui. Attendez, ouais non mais en fait j'ai pas mon truc. Genre mon super bouclier, Romain met le bouclier. Quel bouclier? Mets la super protection là, l'ulti protection. Comme ça on les tape. Tu mets la protection. Ouais c'est bon, je l'ai. C'est bon, tu peux l'activer? Ouais je peux l'activer. Vas-y, j'ai le critique. Oh putain ils l'ont réparé ça, elles attaquent plus pour rien. Y'a plus de bug? Ah elles ont été réparées. Allez, tirez-nous dessus, vous êtes pas marrant. Allez. Tain, mais avant les tourelles elles pouvaient nous attaquer mais si on faisait. Mieux, comme ça, on peut prendre la tourelle tout le temps maintenant. Je crois qu'ils ont compris qu'on voulait les faire devenir renégats en fait. Les gars, combat de regard. Toi là. Ouais, toi. Et l'autre qui danse, putain. Vas-y. Et l'autre qui danse. Ah bah bravo. Écoute-moi bien, Francis. La lame. Bon, vire-le finalement, c'est le chinois qu'on va tuer. Ah non. Reviens ici. Bon, à plus. Bon allez, let's go DZ3 du coup. Nous rentrons dans une zone de 31-31. Nous avons un niveau inférieur. Parce que le jeu nous permet que d'être 30. Ce jeu est vraiment mal foutu. Ouais, nous sommes trop nuls. Damn. Ou alors on est trop bon. Oh. Ou alors. Oh cet escadron. Tu les vois là-bas? Oh j'allais pencher pour la deuxième option. Tu strike? Regardez-moi ça. Tu strike ou pas? Vas-y. J'ai jeté la greu, vas-y. Oh là, le minimum de dégâts que t'as fait quoi. J'ai pas vu plus nul que ça hein, franchement. Regarde, il travaille chez quoi ma grenade? C'était une grenade électrique, elle pouvait pas faire de dégâts. Il a pas fait de dégâts lui, c'est un patate. Hein. Ben, l'escadron. Excuse-nous, ô seigneur du lance-patate. Ouais, je vous excuse, c'est bon. J'aime bien les patates. Chapka noisette. Je les aime bien les patates, surtout quand elles sont dans ma gueule. J'ai pas compris. J'arrive plus à parler. Mais hier, avec ma maman, on a mangé des patates.
Après, ce qui est dommage, c'est que bon, il faut monter de plus en plus haut dans la DZ pour avoir du bon loot, mais c'est vrai que quand même c'est tendu. On a déjà fait une escouade de 4. Non, enfin, on est que les 3 premiers de l'équipe à être arrivés 30 là pour l'instant. Les autres ils sont un peu faibles. Ils sont un peu faibles. Ils ne s'y donnent pas à fond. Moi je trouve qu'on devrait les virer. C'est une option. La dernière fois, tu vois, il y a Romain qui m'a dit ouais, t'es déjà 30, c'est pas possible. Le jeu est sorti il y a même pas 48 heures et tout. Tu bosses pas, c'est pas possible. Hey mec, hey, tu veux savoir ce que c'est l'envie vraiment? C'est de jouer et faire une nuit blanche alors que t'as partiel le lendemain à 7h du matin. En fait, c'est ça l'envie, les gars. Ils sont juste inférieurs en fait. Ah, ils sont inférieurs. La dernière fois que j'avais entendu ça d'une minorité ethnique, c'était un petit moustachu d'un mètre 65 qui le disait. Qui, mon père? Mario. T'as rencontré papa? Je sais même pas pourquoi j'essaie de faire de l'humour avec vous. C'est toujours pire après. Oh, je suis mort. Tiens, voilà, tiens, tu vois, il a pas aimé ta blague, lui. Non, mais c'est moi, j'ai trébuché. Oh. Le petit t'a massacré. Il y a short fuse. Non, mais... Il y a une fusée short. C'est mon lacet. Mon lacet était défait. L'autre il grimpe, tu vois, il se fait affuster et. Il escalade. Oh putain! Ce qui m'a mis! Salut short fuse! J'arrive les amis. Je suis prêt à. Mais c'est pas possible ce qu'il me met dans la gueule, je prends trop cher. Regarde, faut lui faire ça. Ah, je suis acheté la grenade sur ma tête. Allez, arrête-toi. Oh, du jaune. God damn it. Oh, gilet de tireur. Il a pas l'air d'être balèze. Donc, c'est bien en tuant des boss que oh, l'on a une des crédits phoenix. Ouais, ouais, c'est ça. Ok, ok. Tu Et les crédits phoenix, on les trouve dans la DZ6. C'est ça. Non, dans toute la... Ah, pour le marchand. Ouais, 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 je parle des marchands des saves. Truc 6, et tu peux l'avoir aussi dans ta base. T'en as un. En technologie. J'ai vu dans l'aile de sécurité que si tu débloquais l'armurerie, t'as aussi un vendeur d'armes avancées qui te vend du jaune et tout. Ouais. Mais ça vaut très très cher. Ouais, c'est 1000. C'est 1000 de développement, il me semble, un truc comme ça. Non, mais même en prix, c'est 400 larmes. 400 000 larmes. Ouais, c'est, par contre, c'est ah oui, j'ai vu, ouais, 450 000 le Cassidy ou un truc du genre. Bon, nous devons extraire tour de sniper là-bas. Point. Mais il y a des ennemis ici. Ouais, on va s'occuper des snipers. Heureusement qu'il n'y a pas le tirami, mais ce que je trouve dommage, c'est que du coup, comme il n'y est pas, les balles devraient du coup vous transpercer et faire des dégâts à l'ennemi. Or, vous êtes comme un mur, en fait, quand je tire sur l'ennemi, si vous êtes devant. Moi, on me surnomme l'armoire. Ouais. Ah. Je suis plutôt taillé comme Brock Lesnar, tu vois. Oh. Je serais plutôt comme Rick. C'est que ça vaut le haut avec vous deux. L'un est une armoire en chaîne. Non. Qui donne naissance à des glands. Et l'autre, c'est Brock Lesnar. Non, je distribue mes glands, c'est différent. Ça c'est foutument dégueulasse. Ah, pardon alors. Put the grenade in there. En fait, on a oublié de... Non, mais, ah oui. On va d'abord les... On va d'abord les tuer, je pense. Mais hein. Faudra que vous demandiez, moi je suis au premier étage. Oh, je peux pas, il y a un gros là. Ouais, dégage. Ouais, non mais moi à peine je sors le bout de mon nez, il me force à re-rentrer quoi. C'est une horreur. Moi je me fais démonter par un mastoc. Ah mais c'est parce que Torch me tire dessus. J'ai le boss en visu les gars. Il éclaire bien. Oh putain. J'ai toujours rêvé de m'appeler Torch. Attends, je vais te dire ça, s'il éclaire bien. Ah bah non. J'ai pas de grenade incendiaire. Non, il va me tuer, il va m'achever. Adieu. Oh la loose, non. Bon, non, mort. Bouge pas. T'es mort? Oui. Bah attends, bouge pas, on va te raise. Non, on peut pas, on est en Dark Zone. Ah mais non, attends, en DZ on peut ou pas? Non, mais c'est même pas parce que c'est pour ça en fait, c'est que je perds trop d'XP à chaque fois que je crève. Je peux jamais être 50. En fait, ils font mal un peu. Ouais, bien sûr qu'ils font mal. Bon, je descends. En fait, on est juste des fragiles.
Putain, moi je descends avec plus de balles dans le chargeur, quelle horreur. Toujours gros qui me fume à chaque fois, il me met des dégâts de fou. C'est dommage, il avait pas du bon stuff. Va te faire foutre. À part mon stuff. Mec, je te jure, je quitte les squats. Eh, hey, mais c'est quoi ce stuff violet là? Non. Il a l'air super. Oh, il y avait de l'or dedans. Oh, non, il y avait pas d'or. Si, on avait un or. Ouais, je rigole pas. Ah, je te jure qu'il y avait pas d'or. Ah non, mais je crois qu'il est, il a été privé. Il est privé, ok. Ouais. Le mec, il est prêt à inventer n'importe quoi pour pas qu'on lui prenne son loot. Le mec, il veut me voler mon seul or que j'ai. C'est quoi ton or? C'est un gilet? Non, une genouillère. T'as chopé quoi? Là. Des genouillères. Oh, GG. Yeah. Je me sens mal là. Je passe au milieu de tous les ennemis en fait. Ils sont un peu victimisés, ouais. Enfin, chez moi. Torcher ta terre. Bah, c'est... Oh putain, il a looté du jaune. J'ai du jaune, les gars. Tu me le prêtes? À moins que je te tue pour prendre le jaune. Par contre, moi, va falloir que j'extrais deux quoi. Oh les gars. Le mec il m'attend même pas quoi. Bon, apparemment le jaune a l'air moins bien. J'ai vu une flèche rouge. Non, ça c'est juste l'armure en fait, la première flèche que tu vois. Oui, c'est vrai, tu as raison. La raison. Ah, c'est bon. Oh, par contre, faut jouer safe. Attends, faudrait que je regarde. Oh, j'ai plus qu'une balle. C'est quoi cette connerie? Ah, j'ai aucun. Oh, aïe, oh waouh, ça tire par là. Quelqu'un me fait la cover. Je regarde ce que j'ai. J'ai chopé un holster. Oh culé, il est assez violent. Par contre, il me baisse pas mal la puissance de compétence. Ouais, mais après, il me monte. C'est de façon très infime. Ouais, non, en fait, non. Je pense que je le prendrai pas. Mais bon, c'est toujours sympa d'avoir trouvé de l'or quoi. Oh, j'ai une casquette. Oh, j'ai encore un vêtement. Mais attends, faut que je me vide. Je pourrais le démanteler. Faut que je me vide. Il y a trop violet par terre. Il faut que l'hélico s'approche. Allez, venez! Venez! Venez, je m'appelle Poutrelle! Oh putain! Je me suis pris une. Non, mais honnêtement, attends, j'ai encore des balles dans mon. Ah, c'est bon, j'ai récupéré 90 balles au sol. C'est que ça file, hein! Ça file avec ces flingues! J'ai ouvert le coffre. Ouais, j'aurais du violet. Il arrive dans 5 secondes. Ok, j'ai un homme qu'on respecte, je porte des jupes. Le mode, je m'en fous. Lâche la corde. Eh, hey, imagine les personnages qui restent accrochés. Il a son lacet qui reste accroché. Ah, oh, y'a un mec. Est-ce qu'on le tue? Trop tard. Je sais pas. C'est trop tard en tout cas. Oh, il a une AK en or. Ah, mais il doit avoir la RPK Gold. Il y a la Liberator et la Vacan. Capacité de ma réserve 8 sur 30. Ça va. Putain, je te tire une balle. Putain, moi j'ai pas regardé. J'ai oublié de regarder. Bon, bah, du coup, je le redemande. Allons là-bas. Je suis sûr que les jaunes ont du repop. T'as acheté à combien de. Voir si je veux. Ouais. Ouais, je suis à 5. Il faudrait qu'il me loot une Hog en Gold. Ça serait parfait, ça par contre. Mais la Hog, ça dépend. Il y a divers modèles. Elles sont qualifiées comme des fusils d'assaut et d'autres comme des pistolets mitrailleurs. La Hog A3, pistolet mitrailleur, celle qu'il me faut. Il me faut une Hog A3 en fait. Ah ouais? Ah oui, non, mais toi, c'est vrai que toi t'aimes bien jouer TP, enfin TMP toi. Ah bah, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. TMP? Elle fait autant de dégâts qu'un fusil d'assaut. Oui, c'est sûr que quand tu mets tout sur le crit, oui, il y a du crit en plus. Il n'y a pas mieux. Il y a des gars en jaune qui arrivent sur nous, enfin je les vois en déplacement. J'ai trop besoin d'XP. Non, ça va, ils nous visent pas. Wow. T'as besoin d'XP? Ah oui, bon, bah. Je suis sur 50 aujourd'hui. Ils vont me le mec veut être ranked max aujourd'hui. Faisable, hein, facile. Hein. J'aurais pas perdu mes deux levels. Oui. Tu sais que t'es pas leur en max 50. Oh merde, c'est un agent neutre. Tu sais que t'es encore plus haut level, j'ai vu un mec, il était à 51 en Dark Zone. Bonjour. Bonjour. Désolé l'ami. J'ai tiré dessus, putain, j'ai cru que c'était un ennemi moi, comme un con. Attends, on allait devenir renégat comme des fiottes. Bon, on arrête. Ils avaient des bagues sur eux ou pas? Il me semble. Je sais pas. Bon, on va les suivre, on va voir. Hein.
Je sais pas, on va voir. On pourrait peut-être leur faire un petit coup de pute. Ils en ont pas. Ouais, non, mais il vient de l'avoir. Ouais, il y en a qu'un. Ouais, bon. Mais il vient de l'avoir. Ah ouais, il vient de l'avoir. En plus, il en avait pas quand on l'a croisé. En plus, c'était le gars qui était venu poser avec nous, lui. Ouais, espèce de nul. Putain, j'ai eu un freeze. Ça, c'est bon. Non, j'ai eu un freeze. À un moment, le perso il bougeait plus et d'un coup il s'est mis à se téléporter un peu à la va-vite devant. Là. Mais ça arrive, ça, avec tous ces clippings de texture, ça, ouais. C'est bien dommage. Hein. Bon, après, bon, ça va, c'est pas non plus négligeable. Le jeu se porte bien. Y'a personne dans le bâtiment. C'est pas comme si le jeu nous proposait de supprimer un peu de nos données pour pouvoir se reconnecter. Trash talk. Oh là, ça m'aurait pas plu. Trash talk. Ça m'aurait pas plu. Non, mais je sais pas si tu l'as su, Roms, mais hier, pour cramer la file d'attente et me reconnecter parce que les serveurs étaient overbookés, ils nous ont dit on peut vous reconnecter en forçant la connexion, mais vous perdrez de vos données. Ouais, d'accord. Eh ben moi, j'ai. Ah ouais. Moi, j'ai bon, après, j'avais de la chance d'avoir été AFK dans une safe zone pendant plus d'une heure, tu vois, donc du coup, j'ai rien perdu. Mais il y en a certains sur JVC, ils disaient ouais, j'ai perdu un level et tout, c'est inadmissible. Ouais. C'est vrai que c'est un peu chaud quand même que le jeu te propose. Imagine, ça. T'aurais droppé la meilleure arme du jeu, et là, ça te la supprime. Maintenant, faut payer un level pour jouer. Eh, mais il y a vraiment personne, c'est affolant. Tu vois, c'est pour ça qu'en fait, je voulais retarder le test de ma vidéo, parce que tu vois, là. On est les premiers à avoir été 30 et on en croise très peu quoi en étant 30. Non, quoi. Tout là, le monde non. Des petits levels pense qu'il faut faire de la DZ. Il y en a beaucoup. Or qu'après ils ont qu'à faire deux missions en solo, ils trouveront une arme verte meilleure que la violette qu'ils auraient pu choper en DZ quoi. Non mais il y en a beaucoup là en DZ, c'est juste qu'ils deviennent pas renégats, ils farment les mobs. Ouais. Et puis, pourtant avec toutes les chances de gold que tu pourrais looter, franchement il y a des gens ils pourraient. Non mais je comprends un peu. Parce que s'ils veulent monter 50, je te dis que. Quand tu perds 5000 juste pour une mort, alors imagine-toi en renégat. Ouais, mais bien sûr, renégat, non, mais je comprends. Tu dois limite perdre de level. Autant dans le PVE, tu perds pas d'XP, mais quand tu crèves en Dark Zone, ça te pardonne. Ah, j'étais 40, et regarde, je sais pas. Vous avez combien de fonds des aides d'ailleurs? Je suis à 74 000, moi. Je suis petit à 74 000 et j'ai perdu 50 000. Bah, je suis que 32, toi t'es presque 40 en level des aides. Hier, j'étais à 200 000. Sale geek. Excuse. Eh, petit joueur, viens là. Oh, le geek, allez. il a pas de vie, eh, regardez-le, pointez-le du doigt. Ah, je l'avoue, là, j'ai une perfusion, là. Mais t'as bien fait de prendre un chinois. J'ai ma perfusion de Cyprine. Cyprine. Espèce de coréen. Ouais, et alors? Toi, de toute façon. Espèce de coréen. Toi, de toute façon. Eh ben, rien du tout, t'es parfait. Merci. Tu l'as. Merde. Tu l'as vu, le coréen qui est mort là devant son ordi après avoir joué 50 heures sans bouger? Ouais, j'étais à côté de lui. Mec, il a voulu regarder. Il y a des gens en bas. Il y a des gens là qui jettent une grenade quoi. Oh, le fou la merde. Hey, toi en bas. Il arrive dans 7 secondes l'hélico, il est où? Il jette la corde. Il est là. Drop the rope. Go. Non mais c'est bien aussi des fois tu vois de pas rencontrer des gens dans la DZ, au moins ça te permet de bien te stuff en attendant l'arrivée de la population massive qui va venir dans les jours à venir quoi. Bien te stuff, ils drop que dalle quoi. Non oui bon après c'est façon de parler, regarde on est en même temps on est dans la DZ2, il y a 6 DZ. Donc aussi c'est pas non plus. Mais bon tu l'as vu, on y allait tous les deux la dernière fois en 6, on s'est fait presque rétamer quoi, c'était trop violent. On était que deux, mais quand on est 4, l'autre fois on était à 4. Oui bien sûr, mais il faudra attendre d'être 4 quoi. Ah mais bon hein, c'est ça d'avoir une team de limaces hein. Je me disais aussi. Empêche, drogue, il ah là là. Un perso. J'adore faire des extractions pour extirper une écharpe. Regarde. De la neige. Quoi? Je casse. Me barre, suivez-moi pas. Je crois que c'est sur cette brillante annotation de ta part, Roms, que je vais arrêter ma vidéo parce que là je crois que je vais faire souffrir mes auditeurs bientôt. Excusez-moi. Kick-le, je jure kick-le. On va le kicker, Yes! C'est quoi, attends, bouge pas, Romain, bouge pas. Attends.
En fait, j'ai pas compris ce que tu veux faire. Je ne supporterai pas. Oh non. Oh non. Quel enfoiré. Viens ici. Le mec a quitté l'escouade pour vouloir le frapper. Oh, va y avoir de la fight. Oh non, mais je vais passer renégat si vous vous battez. Attendez, il y a un agent neutre ici. On fait une trêve. J'ai pas envie. J'ai pas envie de devenir un renégat. J'ai peur. Romain. Passe devant lui, passe devant lui. Arrêtez s'il vous plaît. Oh putain, mais c'est lui. Oh, il est pas éclaté. Là-bas, là-bas. Du coup, je reviens. Yeah. T'as de la chance, je vais pas passer renégat. C'est juste que t'as peur de moi. Ouais, j'avoue. Ah, les autres ils s'enfuient. On aurait pu chercher l'embrouille avec eux. Attends, il a pas un bac sur lui? Ah, dommage. Je pense pas, il. Eh, hey, mais moi je trace, hein. Si on devient renégat, moi je trace, hein. Je vais reprendre des munitions. Pareil.